Moi, c'est Alice et toi? Je m'appelle Alex. Je voulais juste te dire de plus chercher à me revoir, ok? Plus jamais, je suis désolée. Voilà, c'est fini, quoi. Je pars en Nouvelle-Calédonie. Quoi? Je pars retrouver Alice. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais là? Je viens traverser le monde pour toi, là. Je t'ai pas dit de me laisser tranquille. Ça va? Ça va. Ouais. Pour la dernière fois, va voir Alice. Invite-la à dîner. Tu l'invites à dîner. Vous vous parlez entre quatre yeux, comme ça, c'est clair. Si elle veut pas de toi, comme ça, on se casse. Je suis désolée, Alex, faut que j'y aille. C'était un mec? C'est normal, tu me réveilles. Tu vas pas t'endormir pendant 5 minutes quand même. Bah, si je viens dans la douche avec toi, non. Ouais. Ça veut dire quoi? Oui ou ouais, ouais? Je peux venir? Par la maison. Oh, c'est super gentil ici. Tranquille. Hey. J'ai une bête de carte pour toi. Regarde. Je vais vous faire par Jean-Jean. C'est la plus jolie. Hein. Alors. Chers parents. Tout se passe bien ici. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Moi, je vais te lire après. Attends. Avec Alice, c'est le rêve. Attends, je vais te lire la mienne. Salut maman et papa. Ici, tout va bien. Je suis déjà prof de kitesurf. Et d'ici peu de temps, je vais avoir une grosse équipe à ma charge. J'ai mal au ventre car on mange beaucoup de fruits. Après, non, je rajoute exotique quand même. Léo, non, non, mais Léo! Coucou, maman, chérie. Passe-moi ma carte. Donne-moi ma carte. Tout se passe bien. Il fait beau. Arrêtez de mon organe. Les gens sont gentils. Passe, donne-moi. Ça t'amuse? Tu trouves ça marrant, franchement?
C'est bon, je l'ai lu ma carte. Non, moi. Mais je m'en fous. Déjà, tu me fais pas ça, je suis pas ton pote. Et puis ça te regarde pas. Tu réagis comme un gamin de 10 ans et en plus tu trouves ça marrant. Avoue, elle fait un truc bizarre là. T'es lourd, Léo. Mais Alex, j'ai rien fait de méchant. C'est ton macho depuis le début là. Tu te rends pas compte de la chance que t'as? Elle va se lasser, c'est quoi? Elle va se lasser là. Mais quelle leçon t'as à donner, toi? Tu crois, Alice, tu l'as rendue amoureuse? C'est pas la question, t'es trop froid avec elle là. Mais je m'en fous. Tu fais des petits cœurs sur la plage, c'est... Tu te rends ridicule, ça va, on a 8 ans, tu mets des petits mots. Alice! Non mais arrête, sérieux. Dans ta vie, t'as eu 2 filles, les 2 filles, elles sont foutues ta gueule. Donc t'as pas de leçon à me donner, je suis désolé. Macho. Macho toi-même, guignol. Là. Alex, excuse-moi, Alex. Mais des fois, mes paroles, elles vont plus loin que mes pensées. Tu m'excuses? Je t'en veux pas. Tu sais, hier soir, je l'ai vu dans ses yeux. Il y a un truc de bizarre. Elle fait pas ce qu'elle veut, là. Moi, je suis sûr qu'elle agit contre sa volonté. C'est ça, j'ai un dernier plan. Faut la rendre jalouse. C'est tout. C'est comme ça que ça marche, les filles. Jalouse avec quoi? Eh ben, on trouve une fille sur la plage, tu la dragues, il faut qu'Alice soit devant, et c'est parfait. C'est nul comme plan. Mais la jalousie chez une fille, mais c'est énorme. C'est quoi ces plans de collégien? Tu crois que ça peut marcher, ton idée? Je te promets que ça va marcher, je suis sûr. Ya comanda la quieren a mujer con yara ma baika o fije ya con el gomuso mi wow o fije ver ya comanda la quieren a mujer con yara ma baika o fije ya con el gomuso. Ils sont pas trop belles. Lequel? Mi wow, ah, les deux. On passe la journée à la plage avec Alex et surtout sa nouvelle copine, quoi. C'est le plus important. Sa petite amie, je veux dire. Elle est superbe. C'est une Calédonienne, hein. Franchement, quand ils se sont rencontrés, il y a eu le coup de foudre, tu sais, le petit claque là. C'était génial, quoi. Et elle parle de moi là? Elle parle de ta nouvelle petite amie? Bah oui. Ah ouais. Elle est super belle. C'est chouette, bravo. Bravo pourquoi? Non mais l'amour ça passe bien, t'as trouvé la bonne, c'est bien. Ouais. Ah ouais, je suis sûr, c'est la bonne. Alexandra, Alex, t'as une nouvelle idylle. C'est super, voilà. On se connaît? Regarde-moi et souris-moi.
Moi, je vais vous laisser, en fait. J'allais regarder les horaires de bus, là. Parce que ben, ce soir, on va manger ensemble, mais c'est Alex qui a tout organisé. Copine et... Fallait que je le fasse, quoi. Bon, si tu le dis. Salut. Léo. Léo, je te présente Emma. Emma, Léo. Je peux m'asseoir? Oui, bah... Alors, vous avez fait connaissance avec... avec Alex? Bon, on y va. Mais non, Alex, on va faire connaissance. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Léo. 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 Elle est comment, Léo? Elle est froide ou pas? Que vous allez moins souffrir. Mais allez, dégagez! Disparaissez, là! Mais Alex, t'es complètement barge. Tu parles à qui? Elle était là, là. Mais fais pas cette gueule. Oh, c'est bon, je me casse. Je rentre en France, moi. Ah, mais je te comprends pas. C'est bon, j'en peux plus. Tu devrais être heureux, mon plan avec Alice, il a super bien marché. T'as vu les larmes qu'il y avait dans ses yeux? Non, non, il n'y avait aucune larme. Ça me saoule, tout ça. Elle était là, là. Alex, tu veux quelque chose à boire? Bonjour. Bonjour. Enchanté, moi c'est Léo. Enchanté. Et ça c'est mon pote Alex. Oui, il boude. En fait il boude pas, il est un peu triste en ce moment. En fait il a eu une grosse déception amoureuse. Ce mec là il a vraiment besoin qu'on lui remonte le moral. C'est un peu pour ça que je suis venu vous voir d'ailleurs. Si vous pouviez le draguer au moins une de vous deux. Ah ouais, draguer? Il n'a pas l'intention de remonter le moral à un pauvre désespéré. C'est pas très gentil, toi. Ouais, bah ouais, non, je sais. Moi, je pense que c'est parce qu'il sourit pas, tu vois. Tu vas voir, quoi, il décroche son sourire, mais voilà, il décroche la lune, quoi. Ah. Je vais voir, je vais essayer. Okay. Alex. Tu vois les deux filles, là? Elles te trouvent trop charmant. Mais ce qu'il faudrait, c'est que tu souris un peu plus. Sérieux, elle est trop belle. Arrête tes conneries. Bon, fais un effort, là. T'as vu, il y a le mec qui était sur la plage avec Alice, là-bas? C'est la gueule. Non, 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 Alex. Il faut respecter. C'est son mec, stop. Mmh.
Je suis vraiment désolé. J'avais la tête ailleurs, je suis désolé. Excuse-moi. Si tu veux, je te repaye un verre. Est-ce que non? C'est la deuxième fois que je te vois, c'est la deuxième fois que tu me bouscules. Non? Ça te dit rien? Moi, je te connais pas, je t'ai jamais vu. Toi, c'est pareil? Moi, je me souviens de toi. Ouais? Alors, qu'est-ce que vous avez à me suivre, moi ou ma sœur, là? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Fais dit quoi? Fais pas comme... Moi et ma sœur. T'as pas compris? Non? Alice, c'est ta sœur? Bah oui, c'est ma sœur. Alors, qu'est-ce que vous lui voulez à elle ou à moi, là? Alice, elle a un frère. Ah ouais, elle a un frère. Ça te... Je m'excuse vraiment. Non, mais... Ça déconne, les oreilles, là, c'est bon. C'est bon, on a pas besoin de vous, hein. Ça arrive. Alice, elle a un frère. On va te traiter des oreilles, là. Putain, c'est son frère. Excusez-moi. Tu pourrais avoir un numéro? Ah, je crois pas, non. On n'est pas de ce genre à donner un numéro à n'importe qui. Là, tu m'as mis un hyper cute, là. Je te jure, tu... Je suis désolée pour le râteau, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Merci, alors. Elle m'a mis KO. Ce petit mec, là, c'était son frère. Son frangin, quoi. C'est bon, ça. Ah, mais Alex, il y a un truc que je comprends pas. Si ce mec, c'est son frère, pourquoi Alice, elle veut pas de toi? Mais casse pas, là. Je suis content. Tu verras, mon pote. Tu seras vraiment amoureux, bah, tu comprendras. Mais toi, tu crois quoi? Tu crois que j'ai amené Eva pour quoi, ici? Ah oui, je l'aime, Eva. Super belle. Super. Léo, qu'est-ce que tu fais? Oh, Léo. Touche mes muscles. Touche. Regarde, vas-y, touche. Ça va, ça va. Ça va, tu t'amuses bien? En fait, c'est des touristes, elles cherchent un hôtel. Non, je crois qu'elles n'ont pas forcément besoin de toi, là, sinon. Oui? Bah non, c'est bon, on peut... Parce que si vous savez pas vous débrouiller toute seule, vous appelez maman, elle va venir vous aider. Là, doucement, bon. Ça va, on vient juste chercher ensemble. Merci. Moi, j'ai fait quoi de mes choses? Je les ai aidés, c'est tout. En plus, tu les envoies chier, on les connaît même pas. T'arrêtes jamais, toi, t'en as pas marre. Bon, j'ai rien fait de mal, là. T'as rien fait de mal, en plus, tu fais ça devant moi, tu t'en fous. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais elle s'énerve pour rien, comme d'hab, quoi. Vas-y, arrête. Écoutez, il y a des amis de danseurs qui font une prestation sous un bagnant. Je voulais, après, je vous emmène. Là, tout à l'heure? Ouais, on va faire la fête un peu, c'est décompresser, cool, on va faire tranquille. La fête. Ok? On t'attend. C'est bon? C'est quoi un bagnant? C'est un arbre. Tu verras tout à l'heure, tu verras, c'est tranquille. Allez, j'arrive. Cool. Écoute-moi bien, Léo. Je te l'ai déjà dit une fois, je te le dirai pas deux. Tu refais plus jamais ça devant moi. Jean-Jean? T'as compris? Tu refais plus jamais ça devant moi. On va se détendre un peu. Ah, c'est lui, hein, faut lui dire de rester souple, hein, parce que moi, ça me saoule. Je suis souple. C'est bon? Ça va? Oui, ça va, ça va. On y va, je vous emmène. On va bien s'amuser, il y aura du monde. Laisse-moi tranquille. Oh, oh, on y va. Le bagnant, ça représente la maman. Elle est imposante, tu vois. Et puis les racines, ça représente les enfants, le lien avec la terre. C'est pour ça qu'on vient toujours faire la fête ici sous le bagnant. Là, je présente ça, c'est Kenji. Salut. Salut. Ah, c'est mes amis. Ouais, ça va. Salut. Ça va? Bonjour. Tu vois, ça c'est des plumes de poule.
Je l'ai trouvé par terre et je l'ai recollé. J'avoue que je me suis un peu mal comporté l'autre fois, je m'excuse. Je vous ai mal parlé. Tu devrais emmener la petite jeune fille sous le banyan. Ici ? Vous la connaissez, Alice ? Alors, vous êtes qui ? Hein ? Vous faites partie de la troupe, en fait ? Je suis la grand-tante de Jean-Jean. N'oublie pas mon conseil. Emmène-la sous le banyan. Ma tante. Ouais, ta grande tante. Lydie. Je sais pas comment elle s'appelle. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je sais pas, moi. En fait, elle m'a dit un truc, elle m'a dit de venir avec ma copine sous le banyan. Mais je pige pas pourquoi. Mais en fait, dans notre culture, le banyan, en fait, c'est l'art de la vérité. Quand tu te mets en dessous, tu peux que dire la vérité. Si je lui pose une question à ma copine, tu crois qu'elle me répondra? Tu verras. C'est une légende des îles, en fait. Je vais bien, merci, bonjour. On peut parler 5 minutes? T'es pas avec ta meuf, là? Ah, t'es jalouse. J'en ai pas. C'était qui, la blondasse, alors? Mais c'était... J'ai voulu te rendre jalouse. J'ai pris n'importe quelle fille sur la plage, je vais couler après. Je l'ai même pas vraiment embrassée, en plus. C'était con, hein? Un peu, ouais. Je savais pas que t'avais un frère. Je connais même pas tes parents. J'ai pas de copine et t'as pas de mec, alors... Je t'avoue que je suis assez rassuré. J'adore quand t'es comme ça. T'es en train de changer. Alice, je t'aime. C'est le connard. Dégage-le là, ton maman. Vas-y, frappe. Vas-y. Il y a un truc que je comprends pas là. C'est quoi votre relation? C'est fini ou c'est pas fini? Est-ce que tu veux te fiancer à moi? C'est quoi cette photo ?